know I said it here. Need them tennis chains hanging at the cashmere. Bon les gars, c'est parti, on part en Suisse avec l'ami Speedbike. On va faire un week-end de grand malade. Et franchement, j'ai juste envie, c'est qu'on y soit quoi. On va aller voir Polyanef au passage et une petite entreprise. Enfin, vous allez voir ça par la suite, c'est juste tout. Si on y arrive, parce que là. Non, en fait, on s'est arrêté parce que la bête a trop chauffé parce qu'elle a 400 000 km. Living legend when I die, no I said it here. Need them tennis chains hanging at the cashmere. Always been a G, running crazy at my fear. Got a buzz while I'm buzzing, no light year. Couple more people putting up with them compliments. Keep guessing me. Mais la douane, ils dorment la douane. Ils font mais non, mais y'a rien, mais. J'ai juste à passer. Hein. Et en fait, on passe là. Ouais, bon, nous passons illégalement en Suisse. Et on peut mettre un truc là, un sticker. Bon, la douane elle dort. Y'a personne à la douane, ma man. Elle dort la douane. Heureusement, parce qu'avec toute la drogue qu'on a là. Sans compter les armes. Bon les gars, on est arrivé là. Franchement, super bien accueilli par le gars de l'entreprise. Un gros merci à lui de nous héberger. Donc ouais, donc c'est lui qui nous héberge cette nuit là. Bon, on part un peu plus de l'entreprise demain, on fera des vidéos avec. Il est quelle heure? Il est 3h du mat. Donc on arrive un peu tard quand même. On va pas beaucoup dormir en plus demain. Après, vu que je dors chez Polyane, je sais pas comment on va se passer la nuit, mais ça va être très mouvementé je pense. Allez, ça va pas être facile. Ça peut être facile, je pense. Bon, allez, nous, on va se coucher. Bon, bah, les gars, on est en Suisse, là, avec l'ami Speedbike. Yeah, my man. Donc, il y a un monsieur qui nous a hébergé, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et là, on va à son entreprise. On va vous expliquer ce qu'il fait vite fait. Première fois que la 4TH va rouler en Suisse. Rupture.tuntou.com. Allez-y, c'est les promos. Salut, moi c'est Romano, j'ai 22 ans. Je travaille dans l'usinage et j'ai comme passion tout ce qui est supermoto. Je suis vraiment un passionné. J'ai mis toutes mes économies dans une machine que j'ai achetée. Et justement, je développe ces pièces parce que c'est par passion que je le fais. Et j'aime ça et j'espère pouvoir en vivre un jour. Alors j'ai commencé à créer une entreprise il y a à peu près 8 mois et je suis en train de développer des pièces pour une KTM 690. Pour les Français, 90. Ouais. Tu mettras dessous. Normalement, la prochaine moto que je vais acheter pour pouvoir créer les pièces, ce sera une KTM EXC450. Pour commencer, j'ai mes premières pièces, c'est des tendeurs de chaîne. Donc ceux-là, c'est ceux d'origine. Après, j'ai eu l'idée, moi, d'intégrer des sliders pour tout, quand on tombe on casse pas tout. Donc j'ai fait un premier modèle en 3D, après j'ai imprimé ça sur mon imprimante 3D. Donc, voilà le résultat. Donc, après j'ai monté ces pièces sur la moto, j'ai regardé que tout fonctionnait, tout était parfait. Et après j'ai usiné les pièces et je les ai fait anodiser. Et voici le résultat final. Il manque encore des gravages dessus. Et puis ici on a l'Husqvarna 701. Ah, et du coup les gens qui regardent la vidéo vont sûrement se poser la question. Pourquoi nous, en tant que youtubeurs, on est venu faire une vidéo avec toi quoi. Est-ce que tu pourrais expliquer vite fait? Alors, il y a Speedbike qui m'a contacté et puis il me demandait si c'était possible de faire un sponsoring avec le trajet, l'essence et les payages d'autoroute. J'ai dit pour moi, il n'y a pas de problème et puis
voilà, en même temps, il me fait une vidéo pour ça et puis c'est du donnant-donnant. Ah bah du coup, c'était un projet vachement intéressant parce que nous, au final, bah, ça nous permet de voyager, entre guillemets, gratuitement parce que c'est lui qui va nous, nous sponsoriser tout simplement. Et voilà quoi, ça nous permet de voyager, on va en Suisse, on découvre d'autres paysages, on va rouler, on va passer un week-end de fou. Et après par la suite par exemple on va voir Polianev, du coup ben ça vous change de nos vidéos ordinaires et c'est un bon petit projet quoi. Peut-être qu'après on va te reconnaître et tu seras, enfin grâce à nous peut-être t'auras pris de l'ampleur. Bon bah les gars, c'est le test de la 690 SMCR 2012. Hein. Oh là là, elle est en poule celle-là, on a une SMCR en poule. Et je remarque direct le couple de malade. Un gros merci au mec de l'entreprise de me faire tester ce bijou, vu le temps que j'en rêve. Ah, ça, il va pas assumer lui. Faut que je le double. Ah, c'est énorme! En vrai, ça marche quand même fort. C'est la balade, c'est la balade. Oh, il y a la chicane. Il y a la ligne Léo Vinch. Il y a la chicane, mon gars. Le bruit, il n'y a pas besoin de l'enlever. Franchement, tu l'enlèves, c'est trop, largement. C'est pas ma moto, j'ai pas envie de la casser, mais c'est vraiment kiffant. Ah, c'est bon. Cette moto pour moi, c'est la définition du mot jouer. Ah, c'est énorme. C'est vraiment kiffant. Mec, t'as tellement l'impression qu'il y a une 7ème vitesse sur la moto. Ah ouais, t'as vu. Mec, t'es à fond, tu passes une vitesse, il y en a encore quoi. Bon bah j'aurais testé une 690 en full, merci bien. Avec plaisir. Ouais, franchement dans les courbes, dans les trucs de montagne comme ça, avec ça. Faut pas écouter les bruits bizarres quand même. Ah non, c'est normal. Ça c'est roule, normal. C'est tout. Non, tant, c'est... Elle roule. Quand on arrive, ça grince un peu. Il y a du sable dans la direction. Ça grince un peu, ça roule. C'est normal, hein. Normal. Allez, ciao. Allez, tiens, merci. Merci pour tout. Et voilà, c'est parti. Là, il doit être 3h de l'après-midi. On part direction chez Polian. On a réservé une chambre dans sa chambre. On a réservé une petite chambre dans un hôtel qui a un part, je pense. C'est pas moi qui a réservé, c'est Speedbike. C'est moi qui fais tout. Qui a fait l'organisation. Hein. Alors voilà. Comme on dit d'habitude, assistance speedbike, pour vous servir. Allez, c'est parti les gars, let's go.